Vas-y. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cuire sur ma bouche avec la tienne. Sur votre bouche avec la mienne? Ouais, bah c'est pareil. Quoi, c'est pareil? C'est pas pareil. L'auteur, il marque sur votre bouche avec la mienne et on n'est pas là pour changer le texte, mon frère. Mais qu'est-ce que t'as? Tu mens? Quoi? C'est bien? Ouais, ça va, tranquille. Mais t'as pas dit des trucs mystiques ou quoi, là? Franchement, le seul truc qui m'agite à eux, c'est tes mignonnes. Après, non, là, après, j'ai des skis, voilà, c'est ça tout. Ça cache quelque chose. Ah, oui. Mais casse-toi, t'es folle ou quoi? Mais non. Ça y est? Bon. Allez, à toi. Comment donc, ma chère Amélis, élixir de mon cœur? Avez-vous entrepris la fin de ma vie? Non, mon cher. La durée m'en est trop précieuse. Ah, ces paroles me fortifient. Amuse-toi! Je sais plus comment te le dire. Il y a du plaisir à faire ça. Sors de toi. Change de langage. Change de manière de parler. Change de manière de bouger. Amuse-toi! Il a jamais lu un lit de sa vie. Il va faire du théâtre, lui. Et alors? Non, tu dis ça, on dirait qu'il a tué quelqu'un. Votre bonté m'éblouit. Et je me prosterne devant elle. Arrêtez-vous! Je ne saurais vous souffrir dans cette potion-là. Levez-vous. Oh. Voilà encore quelqu'un. Voilà encore quelqu'un! Frida, tu fais quoi, là? Monsieur, il faut que je parle à madame. Mais... Non, franchement, la vérité, franchement, Frida, t'en fais trop, là. Je sais pas, c'est trop, c'est pour toi, et tu veux t'afficher. Attends, toi, c'est pas la regardé avant de parler de moi, tu t'es regardé comment tu fais, toi, avec ton éventail ou je sais pas quoi. Et alors, moi, j'ai le droit de faire ça, c'est moi qui fais la bourge dans l'histoire. Quoi, et alors, tu me critiques et tu veux pas que je te critique? Mais moi, je fais la bourge, c'est ça les bourges, oui, c'est ça les bourges. Acte 2, scène 5, on recommence, merci.